Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, ben bonsoir. Salut les terriens. Salut les terriennes. Salut ma couille. Ça n'a pas été en répétition. C'est Nicole. Mais... Je regarde ton plateau. Oui. Il y a une table, un animateur qui interviewe des gens autour. C'est exactement ce que j'ai créé avec Tout le monde en parle. Espèce de petit Marc-Olivier Fogiel du pauvre. Oui, bon, mais écoute, d'accord. Donc, en fait, dès qu'il y a un concept d'émission avec une table et des gens autour, c'est votre concept, quoi, c'est ça. Ouais. Toi, sans mes idées, t'aurais été Jean-Michel Zeka. Ah, je vois que tu as réuni la fine fleur du paysage médiatique belge, Stevie Boulet, après un banquet pâtisserie. La Gina Lollobrigida belge de Carnion. Ouais. Ouais, et un Michel Drucker sous amphétamine. Ouais. Alors, on vous reçoit ce soir pour parler de votre nouveau concept, donc pour la première fois dans l'histoire de la télévision. Ouais. Oui, vous n'y croyez pas. L'on va découvrir des personnalités décédées répondre à une interview. Grâce à la technologie, je vais pouvoir interviewer des personnes décédées comme Louis de Funès, le général de Gaulle, Lynn Renault, François Hollande. Non, je déconne. C'est Paris, c'est l'humour. C'est très drôle. Alors, comment allez-vous procéder? C'est très simple. Ouais, on utilise un logiciel américain très coûteux qui s'appelle le deepfake. Ah oui. Alors, on sera moins dans la provoque, mais plus dans l'élégance, la dignité, le respect. C'est vrai? Non. Ouais, mais si j'avais dit le contraire, François n'aurait jamais accepté. C'est ça. À quoi ça sert de faire des émissions chiantes? Nagui le fait déjà. Bon, alors. Allez, démonstration, on y va. Viens, mon lapin. Jingle. Alors, je vous présente Philippe. Bonsoir Thierry. Il est comédien. Ouais. Salut Philippe. Alors, technologie de pointe, j'ai un synthétiseur que voici dans lequel j'ai encodé des milliers d'heures d'interviews de vedettes décédées. Il me suffit de jouer avec pour les faire eux-mêmes. Ah ben, montrez-nous comment ça fonctionne, Thierry, alors. Ouais. Amis téléspectateurs, bonsoir. Oui. Ce soir, dans Hôtel du Temps, je reçois un invité exceptionnel, Jean Gabin. Bonsoir. Bonsoir. Et je peux te dire que le jour où les cons auront des étincelles, faudra pas allumer le gaz. Hein. Alors, mon Jeannot, une interview sobre et élégante comme promis. Voici l'interview baiser ou pas baiser. Jingle, Serge. Le principe est simple, mon Jeannot. Je vous donne une liste d'actrices et vous me dites si vous l'avez baisée ou pas baisée. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie ou quoi? Marlène Dietrich. Non. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Merde, ça, que ça marche les pas, filles là. Soient nues. Ça déconne un peu, là, oui. Mais la tête de Balavoine est bien. Reviens, Gabin, c'était pour rire. Ah, c'est Paris, c'est l'humour. Oui, c'est, oh, c'est pas grave, Coco, je suis un pro. Amis téléspectateurs, je reçois en exclusivité Daniel Balavoine. Oui, oui. Et on va tout de suite faire interview. Paris-Dakar. Ah non, pas l'interview Paris-Dakar. Non, on ne va pas faire ça. Allô, Daniel. Le 14 janvier 1986, est-ce que t'as fait l'hélicoptère avec ta bite? Non, écoutez, ça suffit maintenant. Vous aviez parlé d'élégance et de sobriété et d'élégance. Et qu'est-ce que c'est que ce film? Bonsoir, monsieur Ardisson. Mais c'est Mitterrand, là. François Mitterrand, bonsoir. C'est pas ça que je devais faire. En fait. Non, tu suis. Okay. Mais attendez. Bonsoir, monsieur Ardisson. Mon François, on est entre nous, ça fait un temps que tu bouffes les pissenlits par la racine. Et on peut le dire maintenant, il n'y a pas que les Françaises que t'as baisées. Hein. Je proteste, mais évidemment. Oui, on ne voit même pas ce que c'est les visages. Merde, c'est la rose, oh, Oui, c'est parce qu'un béco, là. Qu'est-ce que vous foutez? Putain, ça déconne cette saloperie. Mais c'est l'histoire d'un mec. Oh là là. C'est l'histoire d'un mec qui voulait faire. Mon vélo, mes chaussures. Mais qu'est-ce qui se passe là? Dites donc, ça va moins bien marcher maintenant, forcément. Ça, c'est sûr. Dites, c'est vraiment sympathique, cette espèce d'interview de Jean Gabin qui a la tête de Daniel Balavoine avec la voix de Gilbert Bécaud qui est mis de Bourville. Ouais. C'est nul, hein? Ouais. Alors j'essaye avec une autre touche du clavier. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce beat? Mais non, ça c'est la voix de clavier, ça. Bah oui, puisque j'appuie dessus. Mais non. J'ai un logiciel de secours de haute technologie. Vire-moi cette tablette, Coco. Prends le logiciel de secours. Ah bon? En dessous, là, ouais.
Voilà, mesdames et messieurs, Loïc Funès. Excusez-moi. La biche. Paf. C'est confondant. Alors, Loïc, on va faire une interview gendarme. Je t'explique le principe. Hein. Je te pose des questions et je te frappe avec cette matraque pendant que tu réponds. Mais non, c'est pas possible, on peut pas faire. Remets le panneau, ils vont voir le trucage. Ah oui, pardon. Oh, mon adjutant, regardez. Oh, c'est Fantomas. Non, mais je vous en prie, bon, arrêtez. Mon Louis. T'as déjà fumé des joints dans ta vie? Non. Oh, mon adjutant, quelle ignominie. J'ai d'ignominie. Louis Funès, vous êtes chaud. Vous bougez tout le temps et vous vous excitez pour un rien. Vous avez pas l'impression d'être un pénis? Non, attendez, arrêtez. Maintenant, c'est grotesque, on arrête tout ça, c'est nul ici. C'est parti pour l'interview. Film de boule. Non, on ne bouge pas pendant le jingle. Non, j'en en peux plus. Louis Funès. Oh, Gigi. C'est toi que je vois là-bas dans le noir. Non mais oui, c'est la voix de Dalida. Oui, en fait, c'est la voix de Dalida. J'entends bien que c'est Dalida. Attends, oui, bah oui, bah oui, mais changez la voix alors. Alors, ça c'est Davina. Oui, mais changez l'été là. Est-ce que tu viens pour les C'est Davina, Jonathan. Ça c'est on est dans voilà, c'est pas panneau Dalida bordel. J'ai pas de panneau Dalida. Débrouille-toi, t'es payé pour merde. Mais oui, mais attendez, mais qu'est-ce que vous allez faire là? Il y a plus de technologie. Ah non, non, mais non. Non. Bonjour là. Gargamel, bonbon chipolata. Non, merci pas pour moi, mais. Enchaîne. Bon, Mandali, on se dit tout entre nous. C'est quoi la dernière chose que t'as sucée avant de mourir? Non, arrêtez avec vos questions, c'est terminé. Tu sais que je t'aime, Mandali. Mais évidemment, parce que tout le monde est Dalida. Non, mais c'est Michel Dardenne, ça. Ça marche pas, votre truc. Ça marche c'est pas. Qui? C'est qui Michel Dardenne? Non, mais je sais pas. Chanson de Dalida. Mettez une chanson de Dalida. Chanson de Dalida. Chanson de Dalida. Ouais. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un Alban. Fort comme un Bosch, n'est-ce pas? Ça merde complètement votre bazar. Je suis sûr que c'est cette salope de Catherine Barma qui a saboté mon matériel. Mangez des pâtes. Ah non, arrêtez, c'est n'importe loin, quoi. C'est beau, hein? Non. Faut arrêter ça. Il y a un court-circuit. Ça s'en va et ça revient, hein? C'est fait de tout, petit rien. Ça se ressemble et... C'était Claude-François Mitterrand. Claude-François Mitterrand, oui. Sinon, j'ai un nouveau concept assez génial. Non, je veux pas l'entendre. Je te raconte, c'est une émission où je meurs, je m'auto-interview, et à la fin, je fais l'amour avec moi-même, tellement je me trouve formidable. Oui, c'est pour être... Allez, Thierry, je te ramène à l'hospice. Non, non. Tu sucres trop les fraises. Non. Et David, toi, ce que tu préfères dans les fraises, c'est la queue, non? Non, arrêtez, partez merci. Maintenant, dégagez, merci, partez. Bravo, Merci.